Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous êtes tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28. C'est ce que j'allais te demander. Pour deux Spider-Man. Toi et Tante May, vous êtes en plein milieu. En plein milieu d'une crise, ouais je sais. Ah, tenue. Ah j'ai un autre truc là. C'est les attaques aériennes génèrent une charge électrique livrée lors d'une attaque au sol, ouais. On est débordé, mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Ouais, je comprends. Pense bien à te protéger. Gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. C'est encore plus vrai pour Tante May. Tu la connais, personne pourra lui faire faire une pause contre son gré. Mais je ferai de mon mieux. Merci, Miles. Embrasse Tante May pour moi. Et sois prudent. Bon. Allez, on va faire voyage rapide. Je sais pas, là. Tranquille. Bon. Voilà. Voilà le réservoir. Mais aucune trace de scorpion. Je devrais aller voir ça de plus près. Voilà. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais? Bah là. Derrière toi. Oula. Ah, elle m'a empoisonné. Je t'achèverai bien, mais c'est Octavius qui paye, et il veut te voir souffrir, ce que je respecte. Bon sang, qu'est-ce qu'il vient de m'injecter ? Le poison. Aïe. Ça doit faire mal, ça, en plus. Oh. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Mer de poison ? Impossible ! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Je peux pas prendre de risque. Il faut que je prenne de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Aïe. C'est pas le moment de prendre un bain. Allez. Être tranquille une minute. Je dois analyser les neurotoxines pour pouvoir créer un antidote. Aïe. Scorpion s'est amélioré. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Là. Et ça. Voilà. C'est bon. Ça c'est bon. Oh pardon, ça c'est bon. Voilà. C'est parfait. Voilà. Une neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Je dois synthétiser l'antidote et vite. Il faut d'abord un stéroïde naturel. Un extrait d'Eclipta Alba devrait faire l'affaire. La serre de l'université est pas loin. J'espère que c'est la saison. Tiens, j'aime pas les trucs comme ça. Il devrait y avoir de l'Eclipta Alba dans la serre. La voilà. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Où elle est passée? Qu'est-ce que c'est? C'est réel ou c'est dans ma tête? C'est peut-être les deux.
sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc, vous avez l'air... Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Mais l'interface m'a permis de les accepter pleinement. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ah, toujours à vouloir prendre les choses, même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme indéfectible m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je n'y croyais plus. Ça va me manquer. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, oui, tu es désolé. Et pourtant, tu m'as laissé faire. C'est à se demander où sont tes priorités. Je veux dire, si c'était vraiment important à tes yeux, pourquoi tu m'aurais laissé m'auto-détruire ? Je peux vous aider ! C'est l'interface neurale ! Elle a... Voilà l'équipe d'Alba ! Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Un des postes de recherche d'Harry développait une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là. Oula! Des queues de scorpions géantes! Super! Merci, Sirpo. Comment tu te sens, Spider? Un vent de panique s'empare de toi. Scorpion ? Comment t'as eu ce numéro ? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est est-ce que je t'appelle. C'est peut-être l'écrit enfiévré de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que je vais mieux, je m'occupe de toi, Mac. C'est quel vendredi les bestioles. Voilà le poste de recherche. J'ai besoin de l'atropine. L'atropine est juste là. Allez. L'atropine a disparu. Pas encore. Oh là là. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc! Ah, mais si, c'est moi! Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser les chaînes. Je regrette! Je trouverai un moyen de vous aider, je vous le promets! Arrête de te voler la face! Tu n'aides jamais personne. Le poison n'est pas en toi. Tu es le poison. Tous ceux que tu touches souffrent. Non. Oh merde. Merde. Je regrette. Je trouverai un moyen de vous aider, je vous le promets. Arrête de te voler la face. Tu n'aides jamais personne. Le poison n'est pas en toi. Tu es le poison. Tous ceux que tu touches souffrent. Non. Putain. C'est chiant ces obstacles. Laissez-moi essayer! Je ne veux pas de ton aide! Tu es nul! Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon! Non! Arrêtez! Je vous laisserai pas tomber! Je vous en prie, parlez-moi! Je peux vous aider! Alors tu veux me traiter comme tous les autres, en me réprimant?
en m'étouffant. Non. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Je t'ai vu, Peter. Prendre des notes, voler mes idées. La voilà. La troupine. C'est quoi ça? Oula. Ben le pauvre. J'ai besoin qu'à synthétiser l'antidote. Il faut que je retourne au labo. Faut toujours aller dehors. Presque guéri. Le soleil de ruine était plein. Oh, t'inquiète pas. J'ai encore plein de surprises dans les herbes. On se revoit très bientôt, tous les deux. Je compte bien. Ouh là là. Voilà. Beaucoup de temps. Il faut que je crée l'antidote. Enfin. Aïe. Il n'en est pas question. Tu es sûrement quelqu'un. Tu es comme Osborne. Tu essaies de me voler, mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Je savais que tu riais de moi, comme les autres, dans mon dos. Tu me supplieras de te sauver, mais il sera trop tard. Tu croyais débarrasser moi, Scorpion? Oh putain. Tu es réel? C'est une ouverture. Encore une hallucination. Au moins, je l'ai pas imaginé trop fort. Oh là là. Et quoi? Ce sera pas aussi facile. Ah, bien sûr que si. Maintenant, je sais que t'es le poison qui essaie de me distraire. Je t'attends. Il est où l'autre? Voilà. Tu parles d'un héros. Tous tes proches souffrent. C'est comme les trolls sur Internet. On en mouche un autre prend sa place. Voilà. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Voilà la centrifugeuse. Enfin, j'ai presque plus de temps. Je le sens. Bon. Je crois que j'ai réussi. Où est passé ma tenue? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. C'est mieux. Bon, on va dire que rien de tout ça n'est arrivé. Bon. C'est bon, mission accomplie. Putain, c'était bien le niveau du poison. Pas mal, c'était bien trouvé. 5000 points d'XP. Ah, j'ai encore l'esprit embrouillé. Il faut que je finisse de tuer le poisson dans l'organisme avant de m'attaquer aux autres villes.
C'est le moment idéal pour une petite patrouille. Bon. Non, un petit peu compétence, je crois que j'en ai 3. Appuie sur une esquive parfaite. Ok. Bon, on va faire un petit tour. Hein. Équipe sur place, vous pouvez nous faire un topo sur West Village. Patrouille blindée en route. On vous avertit au moindre signe de Spider-Man. Spider-Man repéré, en attente d'instruction. Déployez l'artillerie lourde. Il est là. J'arrive pas à le sommer. Excusez-moi, c'est bien la navette pour quitter la ville? Silver Sam doit passer sa vie à poster des petites annonces. Voilà. Voilà. Mais bon. En haut, il y en a. Tourner le dos à un de ses amis. Oh wow, Pete. Tu penses à Otto? C'est évident que ça. Ouais, je te comprends. Voilà. Eh ben, mon côté noble et généreux me souffle jamais. Quand on est un véritable ami, on est là pour l'autre, même s'il s'égare. Mais après ce que Otto a fait, je sais pas, Pete. Je crois qu'il faut que tu décides si l'Otto Octavius que tu connaissais existe encore. Ou même s'il a vraiment existé. Ouais. Ouais. Merci, MJ. Je crois que... Bon. Faut que j'y réfléchisse. Appelle-moi quand tu veux, Pete. Je suis là pour toi. Bon. Y'a rien à faire. Pour l'instant. Bon. Faut vraiment que je m'occupe de Scorpion. Et j'ai pas revu Tempête depuis l'incendie. Est-ce que je peux me permettre une petite halte, mon fils? Voilà. Parfait. Ah, il faut que j'aille où? Là-bas. Alors, on y va. On y va. Qu'est-ce qui va se passer au fist? Voilà. Ce que je voulais faire, c'était enlever le point. Voilà. Rangez ça là. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter, je suis si contente de te voir. Comment tu te sens? Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors? Oui, mais je n'arrête pas. Oh,
laisse-moi te... Oh, doucement. Je vais bien. Mais... c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres? Toi et Ben... vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles? Il peut pas t'aider un peu? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord? Bien. Mon amour-propre de Parker a été blessé. Il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Chut, Manway. Tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça? On dirait qu'un bulldozer atomique est passé par là. Je peux pas faire demi-tour. T'as besoin de ces antibiotiques. T'as entendu le bruit qu'a fait sa tête quand le gros l'a frappé? Avec un moustique sur un pare-brise. Splash! Tout ça. Vite, une diversion. Mon app de piratage. Faut que je me bouge. Complètement. Hé, qui est là? Je devrais pouvoir passer par-dessus ce mur. Il y a une pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que prévu. Hé! Merde. J'avais pas vu qu'il y avait des trucs de vitres. Pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que prévu. Gaz, désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Je dois chercher encore. Et vous, venez par là. Ok, c'est bon, deux secondes. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire. Il y a d'autres réserves quand là. Ont lieu vos ravitaillements. Il faut que je contourne ces types. J'ai pas cette information. Wow. Non. Allez, on recommence. Réserve par là. Il faut que je contourne ces types. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire quand ont lieu vos ravitaillements. J'ai pas cette information. Pourquoi ces super types veulent à tout prix s'en prendre au centre? C'est rapport à Osborne. Il veut attaquer les faibles et qu'il n'est pas capable de protéger la ville. Tout ça, c'est pour ça. Enfin, moi, je m'en rends compte. Je prends ta... Pareil. Ces trucs valent une fortune sur le marché noir. Bande de provisions. Sire, il faut une serviette. Des kits de premiers soins. Mais pas d'antibiotiques. Faut que j'évite ce sniper. Bon. D'autres réserves. Allez, faites que ce soit la bonne. Oh. Amoxicilline. Parfait. Ce mec est vraiment très grand. Ah, c'est Rhino. Voilà le bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite! Y'a un scandale! Messieurs, excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez! Oh! J'avais pas besoin de voir ça. C'était quoi? Va voir. Vite. Bon. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fuir. Je sais que
Montre-toi. Oula. Le tunnel. Je peux peut-être me faufiler par-dessous. Viens là. On s'amuse avec lumière maintenant. Ça va être chaud. Hein. Il est grand. Hein. Il est là. Aïe. Surveille, hein, on sait jamais. Oh là là. Il est où? C'est ma seule chance. T'es des fous. Trouve-moi.
dégager le passage. Allez. Go, go, go. Voilà. C'est parti. C'est comme cache-cache. Je devrais prévenir mec que je les aide. Lâchez-moi! Donne ton portefeuille! Au secours! Hé, hey, laissez-le tranquille! Oh non! Grosse erreur, gamin. Oh, on bouscule pas les gens comme ça. Quoi? Comme ça? Ok. C'est qui mordrait? Les hanches droites. Bon. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. T'en veux aussi? Non, non, c'est bon. C'est ta fiole, c'est. T'en veux aussi? Faut que je travaille mes répliques de baston. Miles! Hey, j'arrivais pas à te joindre. Toi bien? Hey, au fait, vous énervez pas, mais il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Parfait. C'est impressionnant, Miles. Reste à proximité du film. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre au refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci, Miles. Bon. Yuri, j'ai compris le plan de Reno. Il s'en prend au centre d'Eltoscorp. Je pense savoir où il va faire son prochain coup. On nous a signalé un éventuel séisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble. Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez? Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir. Ouais, on va s'en sortir. Bon, je vais faire voyage rapide, ça va être plus vite. Par là-bas. Allez. MJ, quoi de neuf? Ça va? Ouais, ça va. Je consulte les rapports de Scorp. Et ça n'a aucun rapport, mais tu te souviens de la fois où on est allé à Staten Island avec Harry? Pour trouver la meilleure pizza de la ville? Ouais, un périple de 10 heures pour une croûte brûlée et du fromage industriel mal cuit. Comment oublier? Ces vieux fichiers de Scorp m'ont fait penser à cette journée. Harry était si content de prendre le ferry. Ça m'a rappelé à quel point tout était plus simple à l'époque. Pas de boulot, pas de méchant. Tu te souviens, on pouvait passer la journée à commander des pizzas. Maintenant, j'ai l'impression que si on s'accorde une sieste, le monde entier va s'écrouler. Ouais, pas facile la vie d'adulte. Mais bon, on se donne du mal pour que notre gosse puisse s'aventurer à Staten Island à leur tour. C'est un peu le cercle de la vie. Le cercle de la pizza. Ouais, t'as raison. J'aime bien cette façon de voir les choses. Merci. Bon. Allez.
supplémentaire d'urgence. Agent disponible, demandez à Manhattan. Parfait. Oula, y'a Rhino. C'est pas bien de s'en prendre au plus petit, Rhino. Tout le monde est plus petit que moi, Hank. Ou on pourrait aussi en discuter. C'est un monstre, hein. Rhino, tu joues l'équipe maintenant. Le foyer solitaire. La fin et les moyens, Hank. Et c'est quoi la fin de ces moyens-là, au juste? La liberté, la vraie. Plus de tenue. Ouais. Rhino. Aïe. Oh, je l'aimais bien cette tenue. Elle te va bien. Sois content, Hank. Pas de tenue, moins de problèmes pour toi. Voilà. Ok, Rhino. Finissons sans... Oh, scorpion. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en. Scorpi, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça. Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé? Tu l'aurais supplié d'arrêter? Oui, Gargan. C'est exactement ce que j'aurais fait. Oh, on dirait un vieux couple. Trop mignon. Avec Octavius, vous vous êtes déjà trouvé un nom? Le club des six? Les six affreux? Qu'est-ce que tu dis des six qui ont tué Spider-Man et accroché sa tête au mur? Gargan, arrête! Aïe! Voilà. Scorpion, ça va. Je vais peut-être m'aider. Attrape-le, imbécile! Attrape-le! Viens plutôt m'aider! Messieurs, je vous en prie! Il y en aura assez pour tout le monde! Ouh là 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 là! Allez, viens! Voilà. Aïe. Si tu nous fais échouer, Gargan, tu connaîtras la douleur qu'affiche cette tenue. Laissez, Péril Rouge. Je vais t'en sortir, moi, de ta tenue. Voilà. Je commence un peu à me sentir de trop. Vous voulez que je vous laisse régler ça tout seul? Voilà. C'est bon, ça sans chaos tous les deux. Voilà.
pourrait peut-être pas vous entendre. Mais bon. Yuri, et deux quatre. Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. Bon. Salut Peter. J'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'en prends dose, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Bon. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faire ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peut-être, je sais pas si c'est le dernier épisode, mais pour la suite de Spider-Man. Bisous les amis.